rentre. Oh non, Mustapha. Oh, mais c'est quoi ce bordel là? Oh papa, là, allez, bouge-toi, arrête d'être une grosse loque. On vient de t'inscrire sur Tinder. Mais j'ai pas besoin de Tinder. Ah si, si, t'en as besoin. Si tu le fais pas pour toi, s'il te plaît, fais-le pour nous. On aimerait bien récupérer le salon. Et arrête de taper dans les chocs à pic. Voilà, photo de profil, c'est bon. On fait quoi maintenant? La vache, papa, tu mets vraiment pas du tien. Tu m'étonnes. Bon, allez, laisse-nous gérer, va. Gérer quoi? Allez, un peu plus à gauche. Encore un peu, allez, voilà, nickel, bouge pas. Putain, mais c'est pas du tout naturel ce qu'on fait là. Mais t'inquiète pas, papa, tout le monde ment sur sa photo de profil. C'est le principe des réseaux sociaux. Ça va, messieurs, dames? Ça se passe bien? Oui, mais complètement. Oui, oui, et vous, ça va? Excusez-moi, vous pouvez nous laisser tranquille, s'il vous plaît? Mon père, il est pudique, ouais. En plus, il a le coronavirus. Ok. Putain, la vache, on se tape la con avec vos conneries, là. Pourquoi on n'a pas acheté le costume? On prenait les photos à la maison. Non, papa, t'es radin. Regarde l'étiquette. Oh putain, oui. On prend vite fait la photo et on se casse. T'es sûrement d'avoir une vie géniale. Souris. Ah ouais, non, en fait, souris pas, non. Bah, pour me décrire, je dirais que j'adore me balader en forêt le dimanche. J'adore la pétanque, ouais, le pastis, le badminton. Le badminton, papa, on s'en fout de ta vie, on est sur Tinder. Il faut rester mystérieux. Ça, ça nous plaît à nous, les femmes. Et drôle en même temps. Ok, arriveras-tu à deviner ce que j'aime? Ah, je valide. Moi aussi. C'est vrai? C'est l'histoire de Toto qui se tripote devant sa mère. Oh, et qui... tu fais quoi là? Tu m'as dit d'être drôle. Ah non, non, mais t'as fini ta description là, allez, enlève-moi ça. C'est simple. Tu vas à droite si elle te plaît, et à gauche si elle te plaît pas. Ok, bah... Oh bah, elle non. Elle non plus. Bof. Oh, tu vas pas aller à gauche toute la journée, là? Ouais, baisse tes critères de sélection, s'il te plaît, t'es pas en Ligue des Champions. Hein. Ah bah là, ok. Là, ouais, elle est super mignonne, elle... Mais pourquoi t'as fait ça? On vient de te le dire, t'es pas en Ligue des Champions. Si toi, tu matches avec une nana comme elle, c'est dire que c'est un fake. Bah attends, toutes ces photos sont comme ça. C'est impossible de juger, ça. Te moque pas, elle est peut-être vraiment comme ça dans la vie. Franchement, c'était une journée trop bien. Je suis allée à la piscine aujourd'hui. Waouh, t'as beaucoup d'imagination, toi. C'est chelou, ça. Oh, elle est trop mimi. Ouais, bah je suis pas zoophile. Hein. Pourquoi elle se prend en photo comme ça, là? À mon avis, elle fait ça pour augmenter ses chances. Vas-y, Morgane, mets-toi de profil. T'es super de profil. Ah ouais, tu trouves? Encore, encore, encore. Ouais, là, parfait. Là, t'es magnifique. Yeah! C'est un match! C'est un match, ça! Yeah! Ouh. Pourquoi elle est à 720 km? Bah, parce qu'on t'a pas mis de limite géographique. Ça fait combien de temps que t'as pas eu de copine? Bah, je... Bah voilà, t'es pas à 700 km près. Mais yes! Les enfants, je viens d'avoir mon premier match. Enfin, dans la région, du coup. Ah, cool! On s'est déjà écrit. Ah bah tiens. Chez moi. Chez moi! Quoi? Quoi, c'est drôle? Non. Ah merde, elle m'a bloqué. Pour la prochaine, reste focus, papa. N'attends pas l'humour, c'est pas ton truc. Et voilà. Merci. Bonjour! Vous avez un client, il s'appelle Florent? Oui, ce sera la tabelle. Tout le monde ment sur sa photo de profil. Vous aussi, vous avez un rendez-vous à Adopte un mec? Non, Tinder. Ouf, c'est encore pire. Courage. Coucou! Oh, bonjour. Mais qu'est-ce que tu fous là? Tu voulais m'éviter? T'éviter? Non, 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 en fait, je te cherchais. Je me suis dit, elle est où? Sous la table, non? Elle est là. Moi, je vais prendre la pizza 4 fromages. Et pour vous, ce sera? Moi, 6 pintes de bière, s'il vous plaît. Mais plus sérieusement? 6 pintes de bière, j'ai pas faim. D'accord. Mais, t'es alcoolique? Ah non, pas du tout, c'est par solidarité. Tu verras au bout de 6 pintes, mes yeux, ils seront comme les tiens. Quoi? Mais c'est bâtard! Oh bah, c'est pas plus bâtard que de retoucher ses photos. Non, mais j'ai rien retouché, hein! T'as pas retouché tes photos, donc là, c'est toi, naturellement. Je vais te montrer ça de quel côté. Enfoiré! Bon, ok, je la mérite. Ah, je l'ai pas vu arriver, hein! Salut, Florent, ça va? Oui, et vous? Arrête tes conneries, pourquoi que tu ne vous vois? Je prends un coup de vieux, là! Je suis désolé. Je vous connais? Ben oui, c'est moi, Marie! Ah mais c'est vous ça? Ben oui, pourquoi? Ah c'est pour ça que votre photo elle est en noir et blanc, je croyais que c'était un filtre moi! T'insinues quoi là? Bah, qu'elle a déjà... Quelques années! Oh non, quelques dizaines d'années!
Vous avez un problème avec votre dentier? Non, je te chipe la gueule, gros tarbat. Hé, hey, regarde ce que tu rates, mon gars. Ouais, bah je suis pas un archéologue, madame. C'est bizarre, mais j'ai vraiment l'impression de te connaître. Je peux pas me la péter, même. Je fais des vidéos sur Internet. Le parfait inconnu. Ah, mais oui, c'est ça! Bah ouais. Allez, salut. Ah, tu viens de te prendre un râteau! Espèce de tocard. Quoi? T'as rendez-vous demain avec une épaule? Ok, j'avoue, je sais pas du tout à quoi elle ressemble, mais sa personnalité, elle me plaît. Tu vas prendre le risque d'aller la voir. Et franchement, ça peut pas être pire que tous les rendez-vous que j'ai eu jusqu'à présent, donc ouais. Salut Ambre. Je vais être sincère. T'es pas exactement comme j'imaginais, mais est-ce que le physique compte? Oui, un peu, mais je... Laisse-moi terminer. J'aime tellement ta personnalité qu'à mon avis, dans quelques années, eh ben, je t'aimerai tout court. Il y a pas normal dans ma joie, je ne suis pas happy. Je suis pas. Vous parlez quelle langue, là, exactement? Je comprends pas. Non, mais je dis, en réalité, je suis Maurice, je fais des blagues, je viens aux tables et tout. Ah, vous souffrez faire hi. Oui, merci, vous aussi. Salut Ambre, ça va? Ouais, tu m'as un peu confondu avec elle, non? Elle, mais pas du tout, non, c'est des amis. Ils sont cons. En tout cas, t'es exactement comme j'imaginais. Merci. Bon, je t'offre un shooter? Carrément, ouais, ok. Parfait. Je sens de plus en plus fort. J'ai un truc à te proposer. J'espère que tu vas pas me juger parce que c'est notre première rencontre. Mais on n'a qu'une seule vie. Est-ce que tu veux venir chez moi? Oui, pourquoi pas, oui. J'ai une question. Ouais, vas-y. Pourquoi t'as mis ton épaule en photo de profil? Bah, je sais pas. À ton avis? Ah, parce que t'avais pas envie que tes collègues te voient sur Tinder. Non, mais ça, je m'en fous. Non, mais sérieux, regarde autour de toi et tu auras la réponse, hein. Et tu fais quoi là? J'ai envie de toi. Non mais tu peux pas, t'es mariée. Oh, 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 t'es mariée, ok? Quelle pause? Oh non, voilà mon mari. Quoi? Mais c'est quoi ce grand merde là? Mets-toi dans ta cave, il va péter un câble. Dans ta cave, c'est pas mon problème, bon pas les couilles, moi. Vous gérez ça tous les deux là. Tu m'as embrassé. Non, c'est toi qui m'as embrassé, je... Non mais arrête tes conneries, mais je rentre pas là-dedans, je suis trop gros. Ah, ah. Oh putain, mais... Qu'est-ce que je viens d'entendre là? Il est dans le placard. T'es qui toi? Bonjour, je suis plombier, je viens de réparer votre placard, franchement il est nickel. Ouais, t'as pas plombier toi? Si, je suis plombier. Non. Regardez quand je me baisse, on voit marrer. Écoute, je te promets que... Oh la vache, c'est dur ça. Je connais pas ta femme, je la connaissais pas, je savais pas qu'elle était mariée. Que... Tape-toi ma femme. Pardon, plaît-il? Allez, tape-toi ma femme. Oh, y'a un quiproquo là. Ouais, on est des libertins. Non, vous êtes surtout des tarés, ouais. Non, mais c'est pas ça pour vous, monsieur. Chérie, ça va mon poussinet? Dieu, je m'énerve là! 3 ans de Zumba là! Tiens! Eh, hey, si tu me saoules, je te mets la petite sœur! Coucou Flo! Oh bordel, t'es son mec? Mais non, c'est moi! Elodie! Ton rendez-vous! Ok, donc t'as un faux compte avec des fausses photos, c'est ça? Faux compte, ok, mais les photos sont vraies, c'est ma cousine. Attends, que je comprenne, c'est quoi ton but? Me détourner de l'argent? Mais non, j'ai fait ça parce que tu me plais. Est-ce que t'aurais accepté d'aller boire un verre avec moi si tu savais qui j'étais? Sans rien, oui, peut-être, pourquoi pas. Hein. Ah ouais? En tout bien, tout honneur, évidemment, mais... Et t'aurais accepté qu'on joue à saute-mouton, qu'on joue à cache-cache, que je joue avec ta nouille, qu'on fasse l'hélicoptère? D'accord, non, ok, j'aurais dit non, à part le saute-mouton, mais sinon non, non, pas tout ça. Ah bah tu vois, j'ai bien fait. Attends, tu me donnes une idée. Viens, on va chez moi. Déjà? Coquin, on a même pas le temps de boire un coup, j'en tire déjà. Bonjour les enfants. Ouais, je vous présente... Elodie. Elodie, voilà. C'était mon rendez-vous Tinder d'aujourd'hui et ça s'est super bien passé parce que, je suis tombé amoureux de lui. Et du coup, il va venir habiter à la maison. Quoi, sérieux? Mais tu le connais même pas. Par contre, il faudra voir un petit peu la déco. C'est vintage, hein, chez vous. Un coup de foudre, ça s'explique pas.
jamais dû l'inscrire sur Tinder. De quoi? T'as dit quoi, Julie? Qu'on n'aurait jamais dû t'inscrire sur Tinder, voilà. Donc vous trouvez que c'était une mauvaise idée de m'inscrire sur ce site alors que j'étais pas d'accord? Bah ouais, clairement, il me fait flipper, Elodie, là. Oh là, calme-toi, fiston. J'ai le droit de l'appeler fiston. Non. Si on s'excuse, tu le renvoies chez lui? Ah bah non, pas du tout. C'est, pas du tout, bébé. Alors pardon, papa. Ouais, pardon. En fait, tu t'es servi de moi. Ouais. J'adore, ça m'excite encore plus. Ok, allez. Fais attention, je sais où t'habites. Ok. Mais quel taré. Alors, votre rendez-vous Tinder d'aujourd'hui vous pose un lapin? Non, c'est pas de rendez-vous. Je suis même plus sur Tinder. Non, je crois que je préfère rencontrer les gens par hasard. Donc là, vous êtes en train de boire un verre tout seul? Eh ben ouais, bien vu, j'avais pas remarqué. Ça tombe bien, je viens de finir mon service, on boit un verre ensemble. Ok, carrément, avec plaisir. François, 12 pintes de bière, s'il te plaît. Ça nous en fera si chacun. Ah d'accord.